Voici l'outil terminé, hein, en question. Donc, voilà comment j'ai refait l'emplacement ici pour pouvoir passer l'outil beaucoup plus loin, hein, le gros outil, pour pouvoir faire les demi-sphères. C'est plus facile avec deux outils qui sont, comme je vais montrer dans la vidéo. Et donc, l'axe décentré par rapport au centre entre la poupée fixe et la poupée mobile. Donc, pour pouvoir toucher le disque. Et donc, là, vous avez des disques différents en fonction du diamètre que vous voulez faire. Donc, ben, je vais vous faire une petite démonstration pour faire une demi-sphère sur du 20. Et puis, bon, voilà quoi. Allez, à tout. Voilà, donc, on va faire l'embout de manche. Faire le demi-rond. La demi-sphère. Hein, contrairement à la sphère. Comme ça. Voilà, j'en ai refait une. Hein. Donc elle est pas mal ronde avec l'outil que j'ai fabriqué. Donc allons-y. On va déjà surfacer un coup là. Ça peut être plat quand même. Hein. Voilà. Alors là, on va essayer de filmer comme il faut. J'ai mis les deux outils. Donc ici, là, je suis contre. On va pousser. Voilà. Et filmer au mieux. On appuie, donc on se met au niveau du diamètre, hein, au mieux. Voilà. On règle si on est bien pile poil par rapport au diamètre extérieur, ça va. Et donc il n'y a plus qu'à. Voilà. On va desserrer un petit peu là, que ça puisse tourner. Allons-y. Bien dégrossir, hein. Étape au dégrossi. Ensuite, je vais faire glisser l'outil contre en manœuvrant le traînard au mieux en allant tout doucement.
pas loin. Voilà. Voilà, on va mettre un petit coup de lime et puis normalement c'est bon. Donc là c'est pas mal dégrossi, hein. Voilà, un bel arrondi de diamètre 20. Voilà, voilà. Après, on peut fignoler que ce soit plus brillant. Donc après, si on veut faire la boule, eh ben on continue, hein. Après, il ne faut pas prendre cet outil-là pour terminer. Ça veut dire qu'on va prendre les deux. Voilà, ça d'un côté. Et ça de l'autre, voilà, en 2 mm, et qu'on va pouvoir creuser derrière, hein. Sinon avec ces outils-là on peut pas creuser derrière. Là on arrive au résultat, il faudrait une guille comme ça. Voilà, après il n'y a plus qu'à finir, quand on a poli et tout, il n'y a plus qu'à finir le petit bout à couper, et comme on a l'arrondi là, et ben automatiquement, et ben, les deux outils se trouvent à ras-bord, donc on doit avoir le bon diamètre. Donc j'ai mesuré à peu près, je vais essayer d'écarter qu'on voit un peu plus. Voilà. Donc alors, diamètre 15,85. C'est pas facile d'être pile poil au milieu. 15,85, 15,90, 88, 80, 84. Voilà, donc on est pas mal quand même, hein. On arrive à faire des billes qui sont, allez, hein, on va dire grosso modo, entre 5 centièmes et 1 dixième de diamètre. Voilà, après en ayant coupé là, il faudra peut-être bien voir le diamètre de ce côté-là, hein. Parce que là, pour prendre le diamètre, on peut pas. Donc, faut couper. Allons-y pour la suite. Thank you.
fait ça, on fait attention à ses doigts quand même parce qu'on passe près du mandrin. Des fois on a tendance à oublier que ça tourne quand même assez vite. Voilà, petite bille. Donc, vous voyez, il faut faire. Donc, voilà, j'en ai fait d'autres. Hein. Du 15, du 16, du 20. Voilà, après, il n'y a plus qu'à fignoler pour que ce soit le plus rond possible. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà pour la démonstration. Je vous reprends. Pour la suite, plutôt bon, pour la suite, on va montrer comment j'ai fait l'outil, puis voilà. Donc voilà l'outil terminé. Hein. Donc vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc le truc, c'est qu'on peut modifier le diamètre en fonction des billes qu'on veut faire ou des embouts de manche ou voilà des demi-sphères, des sphères. Après on fait un peu ce qu'on veut, du moment qu'on fait quelque chose de rond. Donc là moi j'ai fait 30, 25, 20, 16 et 15. On peut aller un petit peu plus grand, mais après si on veut faire encore un plus grand, il faudra encore tailler un peu plus l'outil. Donc l'outil là, il y a donc un déport, comme j'ai expliqué, de l'axe ici qui n'est pas au centre, pour que l'outil soit plus bas, hein, que le centre, que l'axe. Entre le mandrin et la poupée mobile, et aussi cet axe là qui n'est pas au centre, pour pouvoir déporter un peu les disques en avant. Comme ça on n'a pas de, on peut palper d'un côté de l'axe à l'autre axe sans avoir de problème de gêne. Voilà, ça gêne pas, il n'y a pas de quoi que ce soit d'axe au bout comme la boule que j'avais fait au départ. Donc là on peut directement prolonger carrément la courbe. Voilà. L'outil terminé. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Donc les billes, comme j'ai montré, hein, les billes. Et puis là, eh ben, ceux qui ne sont pas détachés. Hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'avant les détacher, il faut bien les polir, tout finir. Parce qu'une fois qu'ils sont détachés, c'est plus dur. Au bout des doigts de la tenir, puis de la polir. Hein. Donc autant qu'elle soit polie sur le tour. Puis après, ben, vous la détachez. Hein, en dernier. Comme ça, il ne restera plus qu'à faire le tout petit bout là qui va sûrement être un petit peu pas tout à fait propre au bout là qu'il faudra finir. Voilà. Donc là une boule de 20, une boule de 16, du 15, du 16, et puis j'en ai une grosse au-dessus que j'ai faite, que j'ai dans ma vitrine. La première que j'ai faite qui est parfaite. Voilà donc pour l'outil fait maison, pour faire de la copie. Pour sphère et demi-sphère, ce qui fait que c'est un truc facile à faire, à réaliser, qui peut être utile. Hein, ça va assez vite de faire quelque chose, hein, ça évite de faire tout à la lime par exemple. Hein, vous avez si vous voulez tout faire à la lime, ben, ça fait beaucoup à arrondir. Hein, faut mieux le faire carrément avec l'outil, ou le faire au jugé à l'outil, puis pas vraiment être parfait, alors que là, bon, on le fait quand même beaucoup mieux. Hein. On arrive quand même à être assez précis. Donc, eh ben, je vous laisse à vos commentaires, et puis ben, si ça vous a plu, mettez un pouce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis ma foi, ben, laissez un commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez, encore un petit outil fait maison, hein, comme je les aime bien, voilà, allez à plus, au revoir.